Comment se présente cette finale contre l'Algérie? Bah oui, ça se présente bien. Donc, on est content d'être là. Je pense que mon équipe est prête pour relever le défi. Donc, on connaît bien qu'une finale, ça se fait pour le gagner. Inch'Allah, on va tout mettre pour faire la différence. Ce sera une revanche, si on peut dire. Revanche, ça n'hésite pas. Donc, le match aller, c'est oublié. Donc, il y a un match qui est devant nous. Donc, c'est la finale. Donc, nous, on a un objectif, c'est de la gagner. Et Inch'Allah, on fera tout pour. Qu'est-ce qu'il faudra faire de différent par rapport à ce premier match? Bah, ça, je ne vais pas vous le dire. Hein. Donc, de toute façon, le travail qu'il faut, on le fera. Et le jour J, vous verrez, Inch'Allah. On sait que le Sénégalais n'est pas un peu, n'est-ce pas? Vous avez vu ce mental-là. Quel est l'état d'esprit si l'on sait que cette finale, en tout cas, vous devez réécrire l'histoire du Sénégal? Est-ce que vous êtes prêt à écrire votre propre histoire? Oui, c'est vrai. L'apport, on ne le connaît pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est écrire notre propre histoire. C'est faire plaisir à nos familles, faire plaisir à nos amis et faire plaisir au peuple sénégalais. Et pour ça, on donnera tout pour ce match-là. Et je pense que voilà, l'équipe est prête. Si le match était déjà demain, on est prêt. Donc, est-ce que vous avez songé juste après le coup de sifflet final du match Algérie-Nigéria, le fait de revoir l'Algérie en finale? On a rien changé. Hein. On a rien changé. On a gardé les mêmes consignes du coach, les mêmes tactiques. Donc voilà, c'était un match qu'on a perdu. Donc voilà, comme on dit, on a perdu la bataille, mais pas la guerre. Allez-y. Edouard, est-ce qu'il sera là après le coup de sifflet, la qualification? Est-ce que vous avez eu à lui parler? Bah, oui, j'ai eu Edouard hier soir. Donc il m'a dit qu'il sera là. Donc on a eu aussi Cheikh Ndoye qui essaie aussi de venir. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que tous les joueurs sont concernés, même ceux qui ne sont pas là. Donc voilà, c'est une autre source de motivation. Cheikh, en tant que capitaine, l'absence de Koulibaly, selon vous, ça ne va pas affaiblir l'équipe? Bah si, on aurait préféré l'avoir parce que voilà, Koulibaly, c'est un joueur important, c'est un leader. Donc voilà, nous aussi, donc, comme on a dit, on est venu ici avec 23 joueurs. Donc voilà, je pense qu'on a eu beaucoup de blessés et Koulibaly est suspendu maintenant. Donc on va faire avec ceux qui sont là et aussi on a confiance à eux. Alors, vous allez faire un Wolof, quelques mots en Wolof. Oui, votre question. Si ban fenn ngeen wadjal match contre Algérie, nous xamé ni Algérie mo len gagné un match de poule, est-ce que tay ji ni yenn paré ngeen pour eulbeuti carte? Bah xamna ni bu baakha bax match final yi ñoo am, donc final xamnañ ko bu baakha bax du poule pour gagner la. Donc yakar na ni tay soldats yi prenañ pour affronter équipe Algérie bi mas bi passé won yakar na ni ñun faté nañ ko luñu ëpp solo tay moy final bi ñu am suñu kanam et voilà bu soobé yalla lepp lu ci war inshallah dinañ ko ci def ay gay ne ngeen te sénégalais ngeen ko ko xoss mu fayu est-ce que wa dafa leer sénégalais ko xoss mu fayu inshallah donc mas bi ñu ñëw du pour ñun donc pour sénégalais la donc sénégalais diñ ko soxla. Donc, yakar na ni match bi lepp lu ci war inshallah dinañ ko ci def. Waaw, Koulibaly mom dinañu manquer parce que leader la, gaynde la, xékkal la, mais xam nañu carrément fi 23 jours lañ fi ñëwé won, donc am na ñoo xamé ñu ngi fi en plus aussi wolu na leen. Dañu gañ ñoon comme Edouard Mendy, Cheikh Ndoye bëgg ñëw, ñoo est-ce que dinañ ñëw? Waaw, jonna Edou dem, jonna Cheikh mi ngi essayer mom, Edouard mom jonna ko dem mom neena inshallah bu neex yalla dinañ ñëw. Est-ce que tu es un peu plus de temps? Non, je ne suis pas un peu plus de temps. Parce que tu es un peu plus de temps. Et aussi, tu es un peu plus de temps. Mais
Merci beaucoup.